أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة باب رسول الله ما زال حديثنا عن الأسرة وأهمية الأسرة وكيف ينبغي أن تكون هذه الأسرة على سنة الله ورسوله كيف ينبغي أن تكون هذه الأسرة أهلا لأن يتخرج منها شباب ينشؤون على طاعة الله سبحانه وتعالى تحدثنا عن مقدمات كثيرة إلى أن وصلنا إلى بعد حفل الزفاف في تمة جملة مهمة جدا سنقف عندها اليوم نستعملها كثيرا حينما يأتي الشاب ليطلب يد من ستكون رفيقة حياته ويقول لولي أمرها أطلب يد ابنتك أو أختك أو وليتك على سنة الله ورسوله هذه الجملة كثير منا يغفل عنها عن معانيها إنه بعد أن تكون الأمر في تمة قبول وتزوج على سنة الله ورسوله حينما ندخل إلى الحياة الزوجية نغفل عن هذه عن معنى هذه الكلمة وتقل هذه الكلمة. alors chers frères chers sœurs on est toujours avec la famille un couple qui venait d'être fondé qui essaye à travers ce couple
de nous donner. Les jeunes qui vont agrandir dans l'adoration de Dieu. On se pose toujours la question, comment à travers la famille, un certain couple, on peut avoir des jeunes qui vont agrandir dans l'adoration de Dieu. Comment leur préparer toutes les conditions pour qu'ils puissent être vraiment des jeunes hommes qui vont agrandir dans l'adoration de Dieu. Et là, je vais commencer à s'arrêter devant une formule qu'on utilise. Quand le jeune homme il pense à se marier, il utilise une formule pour demander la main de sa future épouse à son tuteur en lui disant « Je demande la main de votre fille, de votre sœur, il s'agit de... » Et ainsi de suite. Il dit « Je demande la main de votre fille, par exemple, à son tuteur, son père, selon la voie de Dieu et la tradition prophétique. » Tu utilises la formule pour demander la main de ta future épouse. Mais après le mariage, après toutes ces préparations qu'on peut dire, le mariage ainsi de suite, on oublie le sens de cette phrase. Je demande la main de mon épouse selon la voix de Dieu et la tradition prophétique. Ça veut dire que je veux vivre avec cette femme et il doit vivre avec moi parce que lui aussi il dit je vous donne, après, automatiquement qu'elle a son accord, la main de ma fille, de ma soeur, ainsi de suite, son tuteur, selon la voix de Dieu et la tradition prophétique. Wallahi, ahbab al-karam, la waqafa kullu al-mutazawijin, rijalan wa nisa, inda idam hadihi al-kalima, wa idam hada al-ahd, aladhi min ajlihi tazawaja hadihi, ou hadihi, هذا لصلح حالنا في الدنيا والآخرة. Par Dieu subhanahu wa ta'ala, je jure. C'est jamais. On a médité cette formule. On sait ça veut dire quoi? Que je veux me marier. L'homme, le garçon, il demande la fille selon la voie de Dieu et la tradition prophétique. Et elle, elle a accepté à travers son tuteur de se marier avec ce garçon selon la voie de Dieu et la tradition prophétique. Par Dieu subhanahu wa ta'ala, il n'y aura pas de problème. Mais malheureusement, quand on ne comprend pas cette formule, on fait n'importe quoi après, deux mois, trois mois, deux ans, un an, on trouve le téléphone. Malheureusement, les statistiques du mariage en France, c'est un tiers échoué. Un sur deux du mariage échoué. Et on a les conséquences. L'échec qu'on voit aujourd'hui, même ceux qui font n'importe quoi au nom de l'islam, quand on suit leur vie, on trouve l'échec familial d'abord, après l'échec scolaire et après l'échec dans la société, ils cherchent à quoi? À s'exploser quelque part ou bien à faire n'importe quoi. Parce qu'il y a l'échec à travers l'échec. Et pourquoi? Et parce que ses parents, ils n'ont pas été fidèles à cette formule. Il donne même un alors ça veut dire quoi? Je demande, ou bien j'accepte de se marier selon la voix de Dieu et la tradition prophétique. Ce qui veut dire que comment nos couples aujourd'hui ils devaient être en soyant fidèles à cette formule. منهج اولا ولا لا فوا دو ديو سبحانه وتعالى دون القران في سوره الروم يقول سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. Alors Dieu éclaire là-dessus. Wadih. Wa min ayatihi. Tahaddathna ba'da hin 'an al-ayat. Wa min 'alamatihi. Wa min al-'alamat al-muhimma wa al-maqasid al-asasiyya fi az-zawaj anna Allah khalaqana min nafs wahida nahnu wa azwajuna. Lesh li taskunu. Wa as-sukun fi al-lughah al-'arabiyyah yaddu al-haraka. Hein? Taskunu ilayha. وجعل بينكم ايش حقوق وواجبات هذه تاتي في الفقه وجعل بينكم موده ورحمه واضح
هذا الأصل إذا أرد التفصيل أن يأتي الرجل يقول لولي امرأته أطلب منك يد بنتك أو أختك أو ما شئتم على أن أسكن إليها في المودة والرحمة، على أن أسكن إليها في المودة والرحمة. Normalement, à travers ce verset-là. Alors voilà, hein, le premier point, la voix de Dieu qu'on a utilisée pour imposer la fidélité. C'est quoi? Dans le verset, les Romains, dans le chapitre, les Romains, le verset 21, là, il nous dit « Et parmi ces signes qu'il vous a créés ainsi que vos épouses en une seule âme, ainsi que nos épouses, Allah nous a créés en une seule âme, ce n'est pas une âme partagée. On a un seul souffle, c'est celui d'Adam, et après Allah subhanahu wa ta'ala a créé elle. Et ça partage comme ça. Afin de vivre avec elle en tranquillité, et élamer entre vous l'affection et la miséricorde là-dessous, cela sont des signes à ceux qui réfléchissent. Alors voilà la voix du Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Que Allah subhanahu wa ta'ala, apparemment, l'ont complet pour que je suis, que je serai. Hein, complet, je dois avoir la deuxième partie de cette âme pour avoir l'âme complète avec mon épouse. Hein? Et c'est à travers elle et elle à travers moi, et bien vivre en tranquillité. La stabilisation, pour vivre en tranquillité. Et comme on dit tranquille quelque chose qui est stable. Dans la langue arabe, on dit sakana, c'est opposé à mouvement. Ça veut dire quoi? Hein? Ici, quand je rentre à la maison, ça veut dire qu'il doit y avoir une stabilité. Ce n'est pas dans le mouvement matériel, mais dans le sens moral. Il y aura une stabilité morale. Tranquillité morale. Et la met entre vous, quoi? C'est quoi la réaction? Comment on peut vivre en couple selon la voix de Dieu? Qu'est-ce qu'elle a mis entre nous? Ce n'est pas mes droits et tes droits, mes obligations et tes obligations. Ça vient après, c'est la jurisprudence qui intervient quand il y a des problèmes pour dire apparemment ses droits, c'est de faire tel. Et c'est tes droits, c'est de faire. Et tes obligations, c'est ainsi de suite. Mais Dieu subhanahu wa ta'ala, vous trouvez, lisez tout le Coran, 6235 ou 36 versets, vous ne trouvez pas que Dieu subhanahu wa ta'ala va dire les droits de la femme c'est tel, les droits de l'homme c'est tel, les obligations de la femme c'est tel, les obligations de l'homme c'est tel. Non, il les a dit, méditez-vous bien, il a mis entre vous l'affection, al-mawadda. Al-mawadda, yaqul al-ulama, hiya al-maddatu allati ya'ishu fiha al-insanu ma'a zawjihi likay tahlu al-hayat. لكي تحلو الحياة لأن الإنسان الإنسان اجتماعي بطبعه، الإنسان ضعيف بطبعه، لا بد أن يكون هناك بالنسبة للرجل امرأة وبالنسبة للمرأة الرجل لكي يحصل الكمال. لذلك حتى الكمال في الدين، حتى الكمال في الدين خرج الإمام البيهقي والإمام أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. والعكس الكمال حتى في الدين إذا تزوجت فكن على يقين بأنها تعينك على نصف الدين وتعينها على نصف الدين وكذلك نصف الحياة الاجتماعية لكي لا تعين ثم نرجع إلى المقاصد. Alors chers frères, chers sœurs, méditons-nous le Coran de Dieu pour voir la voix de Dieu subhanahu wa ta'ala qui nous dit alors il vous a créé en un seul âme, vous les deux, afin de vivre en tranquillité avec elle. La tranquillité, ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement dans le côté. Ça veut dire quoi? Que dans la vie du couple, il doit y avoir une stabilisation. La vie stable, la vie hein, tranquille, la vie pleine d'amour, pleine d'affection, pleine de... Wal mawadda, en arabe, les savants disent, le mawadda, c'est le moyen avec lequel on rend notre vie pleine de bonheur. C'est qu'à l'ouadoud. C'est le wadoud, hein? C'est à travers cela. Après, on va voir cela hein, dans l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis autrement aussi la miséricorde. Wa qalu wa rahmatu hiya allati yarhamu biha az-zawju zawjahu wa yatajawazu anha fawati wa akhta'i. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la miséricorde entre nous. Pourquoi? Parce qu'à travers cette miséricorde, ces deux sœurs, je dépasse les défauts de mon époux. Et il dépasse le défaut, je dépasse les défauts de mon épouse et il dépasse mes défauts.
à travers la misère. Pourquoi? Parce que je suis incomplet. Il est incomplet. En fait, hein, nous, les deux incomplets. Et ce n'est pas un ange, je ne suis pas non plus un ange. J'ai des défauts et il dit ses défauts. Et d'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé ma kharaj, l'imam muslim. La yafrikanna mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Qu'un croyant ne doit pas mépriser une croyante s'il déteste chez elle quelques comportements. Automatiquement, il est satisfait de pas mal de comportements à travers elle. Et le contraire aussi. Qu'une croyante ne doit pas mépriser son homme. Parce que s'il n'est pas satisfait par rapport à certaines choses, et automatiquement il est satisfait par rapport à autre chose. Et on se complète. هذا نموذج في القرآن الكريم وهو الذي يقول لنا وعاشروهن بالمعروف et vivez avec eux convenablement. Ça veut dire on revient à la formule je demande la main de ta fille pour vivre avec elle convenablement comme le Dieu dit dans le Coran parce que je demande sa main selon la voix de Dieu et la voix de Dieu elle le dit وعاشروهن بالمعروف et vivez avec vos épouses convenablement. Alors, mais si toi, si tu la ramènes à la maison, tu l'embêtes, tu as trahi la formule que tu as utilisée le premier jour. Ou Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Et pour elles, ils ont les mêmes droits que vous. Et les mêmes devoirs que vous. C'est la même chose, ahbab al-karam. Laysa hunaka hada ahsan min hada. Il n'y a pas celui-là est mieux que celui-là. Non, pas du tout. C'est un complément. Ayo ahbab al-karam. Diki ya'isha. وتعيش الأمة الإسلامية في حضن هذا المنهج القرآني pour que les couples puissent vivre dans cette voie. Il faut réaliser cela. Il faut savoir que chacun a sa responsabilité. لذلك تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يعرف خاصة عند العرب آنذاك كانت عندهم شيء يسمى أن الإنسان حينما يكون خير الناس من meilleur dans la société. Les Arabes, ils ont ce style de vivre. L'un d'eux cherche à être le meilleur dans la société. C'est le chef de la tribu. C'est le chef de tel groupe. C'est celui qui a la parole. Le prophète, ta'arifou le mada, qu'allana khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Et c'est le prophète des Arabes. C'est moi le meilleur, c'est moi le chef du tribu, c'est moi qui ai la parole. Il nous dit le prophète, tu vas avoir la parole. Alors le meilleur parmi vous, c'est celui qui est mieux à sa famille. Et moi je le suis, il a dit le prophète. Le meilleur, celui qui veut être le meilleur, c'est pas dehors, c'est pas dans le marché. C'est pas même au travail. C'est pas quand tu es parmi les hommes. C'est quand tu es chez toi, tu dois être le meilleur. Et pour être le meilleur, tu dois utiliser... ce que Dieu subhanahu wa ta'ala t'a donné comme élément pour être le meilleur, c'est quoi? C'est la tranquillité, l'affection, l'amour dans la famille. Et donc, ahbab karam, hada manhaj al-Qur'an al-Karim. Amma manhaj Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa haddith wa la haraj. Alors, ici, on veut parler de l'image excellente. Le mari qu'à la réussite totale dans sa vie, c'est l'image de notre prophète. On ne dit pas ça comme ça, pour lui faire plaisir. Non, il a été quand même, on va donner les épreuves. Il a été quelqu'un quand il dit, je demande la main de tel pour la voix de Dieu. Il sait ça veut dire quoi la voix de Dieu. Il l'a bien pratiqué. Et ce qu'on va voir tout à l'heure, الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء جميل وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. أما بعد أيها الأحباب الكرام, الحق سبحانه وتعالى حينما أنزل علينا القرآن الكريم أراد أن يبين لنا أن هذا القرآن الكريم سهل التنزيل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. ذكر الحق سبحانه وتعالى أربع مرات في هذه الصورة. لقد يسرنا القرآن للذكر وانا فاسيليتي سو ليفر بور لو رابيل ها مي ثم ليبين لنا انه سهل اعطانا نموذج حي انسان ياكل وينام ويتزوج ويمشي في الاسواق ويتاجر ويفعل كما يفعل الناس
Et pour nous donner aussi que ce livre, il est facile à la pratique, il nous a donné un exemple comme nous, un être humain comme nous, qui s'est marié, qui a des enfants, qui mange comme nous, qui dort comme nous, qui a des sentiments comme nous. Il nous a dit, « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » Et vous avez un excellent exemple auprès du prophète de l'islam. Un excellent exemple. أتدرون أي في هذا النموذج حفظ الكرام آيات أحاديث كثيرة تبين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجته. Alors نحن حينما نقول لولي الزوجة على سنة الله ورسوله يعني ينبغي أن نفقه سنة رسوله في حياته الزوجية. Quand on dit alors je veux me marier selon la voie de Dieu, on a vu la voie de Dieu et la tradition prophétique, il faut savoir la voie du prophétique pour la pratiquer chez soi. Nous, on ignore malheureusement la voie prophétique. Pour ça, on est des époux qui ont échoué dans leur vie du couple. Parce qu'on ignore la voie du prophète. On n'a que la voie de quoi? Du bled. On a l'habitude. On a vu mon père comment il se comporte avec ma mère, je me comporte pareil. C'est pas ton père l'exemple et mon père l'exemple. Notre exemple, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a des traditions au bled. Même si l'homme marche avec la femme, mais l'homme, il faut qu'il soit toujours devant et la femme 5 mètres derrière. Malheureusement. Et aujourd'hui, il y en a qui ont cette tradition. Alors quand je vois toujours mon père marche devant et ma mère derrière, et parfois, tous les demi-heures, toutes les heures, il regarde, est-ce qu'il est toujours derrière ou bien il est disparu. Allah al-Musta'an. Vous voyez? Ça, c'est pas un exemple. L'exemple, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La femme, elle vient derrière l'homme quand on prie. Mais quand on va au voyage, c'est à côté. Hein? Alors, les exemples avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je commence avec certains. Sinon, Iqra' Bab al-Karam, al-Rasul al-Zawj. Lisez dans les chapitres, le prophète, autant que mari, autant que époux, autant que responsable du chez lui. أخرج الإمام البخاري من حديث عمرو بن العاص وقبل أن أذكر لكم هذا الحديث أنا أتحدى أيها الأحباب الكرام الإنسانية من بدايتها وربما إلى نهايتها هل هناك عظيم أو رئيس أو ملك أو فيلسوف أو إنسان معروف أعلن أمام الناس جميعا أنه يحب زوجه ليس هناك في التاريخ ليس هناك في التاريخ اسمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم avant que je cite ce hadith je pose cette question à travers l'histoire de l'humanité est-ce qu'il y a un homme un philosophe un président un roi une personnalité connue à travers l'histoire qui a annoncé devant tout le monde qu'il aime son époux son épouse Il aime son épouse. Alors écoutez ce hadith. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم على جيش في ذات السلاسل في غزوة ذات السلاسل. فجاء عمرو بن العاص منتصر. جاء بالانتصار يعني بشيء الغنيمة. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه. فيريد عمرو بن العاص أن يأخذ شهادة من عند رسول الله. لكي تكون له يعني شهادة في الدنيا وفي الآخرة فقال يا رسول الله يعني بعد أن جاء منتصر والنبي عرف بالانتصار قال من أحب الناس إليك في المسجد وفي مسجد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة بن الجراح اسمع عمرو بن العاص قال يا رسول من أحب الناس إليك قال عائشة حب الناس إلي عائشة قال من الرجال ما سألتك عن النساء نحن نعرف أنك تحب عائشة ولكن من الرجال قال أبوها أبو بكر إيش هذا الحب شوف أبوها وقال عبد العاص ثم قال ثم من أبو عمر ثم من قال فقال ف الويلي على ليست النبي صلى الله عليه وسلم لا يحابي أحدا النبي صلى الله عليه وسلم Il a des priorités dans son amour. Amr ibn al-As est venu avec une victoire après que le prophète l'a envoyé à la tête d'une armée pour défendre
la religion, ainsi de suite, pour bloquer l'ennemi qui venait attaquer Médine. Le prophète, il a envoyé Amr ibn al-As en tant que guerrier, à la tête d'une armée. Et Amr ibn al-As, il venait avec la victoire. Et rentré à la mosquée, il a trouvé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, autour de ses compagnons. Et Amr ibn al-As, il veut arracher un témoignage auprès du prophète. C'est le prophète, il lui a dit que, mashallah, toi t'es un guerrier, toi t'es un bon compagnon, toi t'es un bon musulman, je t'aime mon Dieu à ce suite. Alors si le prophète a donné la confirmation qu'il t'aime, ça y est, c'est... on n'en parle plus. Et Amr ibn al-As, il veut utiliser cela. Il a le droit. Le prophète, il n'a pas dit pourquoi tu veux utiliser la victoire pour... Mais regardez, ce qui est étonnant, c'est chez nous, c'est pas chez le prophète. Et quand tu lui dis au prophète de l'islam, tu sais bien que j'ai la victoire, hein, je suis revenu comme il faut, j'ai défendu la religion. C'est qui plus, les plus chers pour toi? C'est qui la personne que tu aimes plus? Amr ibn al-As, automatiquement, il veut lui dire que c'est toi, parce que c'est toi qui a défendu la nation, la religion, t'as un guerrier. T'as vu de qu'est-ce qu'il a répondu le prophète? Le plus cher pour moi, c'est mon épouse Aïcha. Et on ne parle pas de femmes, on sait écouter Aïcha, on parle des hommes, le dit son père Abou Bakr. Il aime son épouse. Il a manifesté à la mosquée devant tout le monde que j'aime mon épouse. Plus que ça, j'aime mon beau-père. Alors, on a un nsab dans le bled, il a dit j'ai un déconcib. Alors là, il faut tout déménager à la maison. Allah le musta'an. Alors, nsiba, on n'en parle pas. C'est ça, la voix prophétique, c'est ça. Que tu aimes ton épouse et tu aimes le père de ton épouse. C'est comme ça le prophète Ahbab Karam. Quand tu dis à quelqu'un, je veux prendre la main de ta fille dans la voie prophétique, alors il faut que tu aimes cette fille. Il faut que tu aimes les parents de cette fille. Ahbab Karam, malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai que ça veut faire rigoler. Mais ça ne doit pas faire rigoler, ça doit pleurer parce que notre état, il est loin de... C'est ça la tradition prophétique. Pourquoi on ne connaît pas ça? Il faut qu'on connaisse la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il n'a pas honte de dire « J'aime mon épouse devant tout le monde. Je l'aime. » Et il était vraiment quelqu'un qui... Il dit que quelqu'un t'a fait. Vous savez pourquoi? « Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous allimouna, en le wahida minna, en bagay an yajtahida li neyli ridallah, intilaqam min zawjihi. » Parce que le prophète, il nous apprend une chose qui est très importante, que l'un de nous, il faut qu'il atteigne la satisfaction de Dieu à travers son époux. Son épouse, la femme, il faut qu'il cible la satisfaction de Dieu à travers son comportement vis-à-vis de son époux. Et l'homme, il faut qu'il atteigne la satisfaction de Dieu à travers son comportement vis-à-vis de son épouse. C'est là où il y a le problème. Il n'y a pas toi tu aimes, elle est la femme. C'est la même chose vu de tous créatures de Dieu. C'est ce qu'il a dit Allah. Et celui qui fait de bonnes actions parmi les hommes et les femmes et les croyants, on va le faire vivre une vie agréable ici-bas ainsi que le-delà. Notre problème, Ahbab al-Karam, on a ce problème-là avec nos épouses. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à le faire. Plus que ça, Ahbab al-Karam, تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم حياته مع أزواجه حياة تستحق أن نقرأها. الوقت يسارعني ولكن لابد أن نختم هذا الأمر لنذكر بعض الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيح وغيرهما قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره وكان النبي إذا أراد السفر يقترع على أمته على النساء. النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الذي جئت avec le prophète صلى الله عليه وسلم 12 ans parmi ses voyages. Et le prophète, chaque fois que tu vas aller en voyage, il fait un tirage au sort de ses femmes. C'est qui va y aller avec lui? Celle qui a la chance, il voyage avec le prophète. Et Aïcha, c'était son tour. Et là, sa chance a été prise. Quand tu vas avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on est arrivé à un certain niveau, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a arrêté les gens. Et Aïcha, elle a fait descendre de... de l'Haoudaj, ça veut dire du chameau qu'il avait pris. Fakal al qawmi taqaddamu. Il a dit aux gens, avancez. Laissez-moi avec mon épouse. Qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Fakal al qawmi taqaddamu. Ils sont partis. Il a dit, allez-y, ne vous inquiétez pas, moi je vais venir avec mon épouse. Fakal al nabi sallallahu alayhi wa sallam li Aisha, ta'alay usabiqki. Ta'alay usabiqki. Il a dit, viens, on va faire une course. Toi et moi. On va voir c'est qui va. On va courir jusqu'à
Si on arrive à la caravane, c'est qui va devancer l'autre? Ça, c'est le prophète de l'islam. C'est pas des... C'est des hadiths authentiques. On ne peut pas dire, ah, peut-être... Non, non, le prophète, il a dit à sa femme, viens. Peut-être le prophète, il a vu que sa femme, ça fait longtemps, il est resté sur le chameau, et en plus enfermé dans la chambre qu'ils font sur le chameau, et il est fatigué, peut-être le sang, ça y est, c'est congelé dans ses genoux. Il a dit, voilà, je vais le faire un petit peu du sport pour qu'il puisse... Hein, va pas s'ennuyer. Il lui a dit, viens, on va faire la course entre nous. Et le prophète, sans ça, il a fait la course avec Aïcha. Khalat Aïcha, wa kuntu jariya. Fasabaktuhu. Et j'étais encore jeune. Je l'ai devancé. Je rigolais sur lui. Je dis, t'es qu'un vieux, toi, je t'ai devancé. T'étais à son mari. Fakalat Aïcha, radiallahu anha. Hein? Wa ba'da an nabi sallallahu alayhi wa sallam, hatta. Akhadtu l'lahm. On a resté 3, 4 mois, 1 an, 2 ans, je ne sais pas combien, jusqu'à ce que j'ai pris le poids et ainsi de suite. Le prophète, il a fait la même chose dans un autre voyage où j'étais avec lui. Il avait dit aux gens, après qu'il m'a descendu, allez, devancez. Il m'a dit, alors, on va refaire la course comme la dernière fois. Il m'a dit, allez, va. Et il a refait la course avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a devancé. Et jusqu'à la fin de la vie, chaque fois, il lui a dit, ya Aisha. Tu te rappelles, on est égaux. Tu m'avais devancé et moi je t'ai devancé maintenant. Il le rappelle toujours cela. وخرج الإمام مسلم وابن حبان وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن. Zoomé, le foyer du prophète pour savoir et comparer avec le prophète. Aisha elle dit. Le prophète sur sa parfaite rentre après la mosquée. Il me trouve, je suis en état de louche, ça veut dire qu'il ne peut pas faire ses prières. Et il pose sa tête sur mon genou et je ne peux pas faire ma prière, j'étais en état de louche. Et il récite le Coran pour lui faire écouter le Coran parce qu'il ne peut pas le lire né par la... Et pour montrer aux gens de livre avant nous qui détestent, qui bannit, qui ne mangent pas, qui ne parlent pas avec leur femme quand ils sont dans cet état-là. وكنت أشرب في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب تأكل وتشرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فأناوله النبي il donne le prophète صلى الله عليه وسلم le même verre où il a bu قالت فينظر النبي صلى الله عليه وسلم ويقلبه حتى يضع مكان فيه في مكان فيه ça veut dire النبي le prophète صلى الله عليه وسلم mange avec son épouse et elle lui donne le gobelet. Aujourd'hui, malheureusement, nous, chacun son gobelet. En fait, à son époque, un seul verre. Et quand Aïcha, il boit, le prophète, il prend le verre, il cherche les traces de la bouche de Aïcha, il met sa bouche dans les traces de la bouche de son épouse. Ça, c'est la voix du prophète. C'est comme ça le prophète, il vit avec ses épouses. Et d'autres images de la douceur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. أختم بهذه الرواية الجميلة العظيمة جدا. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أضياف ونزلوا ببيت عائشة رضي الله عنها. وأحد نساء النبي صلى الله عليه وسلم تعرف بقدوم أضياف عند النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف أن عائشة ليس لديها كثير طعام فأرادت أن تصنع الطعام لأضياف رسول الله فصنعت الطعام وأرسلته إلى لشاب لكي يعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فلما جاء الغلام ورأت عائشة رضي الله عنها طبق قال من أين هذا؟ قال من عندي فلانة هي التي أعطتني لكي أطعم أضياف رسول الله فضربت أمنا عائشة الطبق وكسرته غارت يعني تقول لي أنا عندي الضياف وهذه تجي تطيب لي أنا شو كابابل باش نطيب فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الطبق فقال للصحابة رضي الله عنهم غارت أمكم الغيرة ما عندي منديل لكم فجمع الطعام وهيئت عائشة الطعام وأكلت ولما خرج الأضياف قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تغرمي الطابق لصاحبتي سيتو alors un jour النبي صلى الله عليه وسلم a reçu des invités dans la chambre de عائشة رضي الله عنها عائشة elle était encore jeune c'est la plus aimée du prophète صلى الله عليه وسلم et elle a beaucoup la jalousie et une parmi les épouses du prophète il voulait faire plaisir au prophète et ses invités il a préparé un plat et il a donné à quelqu'un le dit ça tu le ramènes aux invités du prophète et quand Aïcha il a vu le plat il a dit au jeune homme qui l'a ramené c'est qui t'a donné ce plat elle dit c'est la femme du prophète telle qui m'a donné pour faire nourrir les invités du prophète il a tapé le plat est cassé Nabi sallallahu alayhi wa sallam il s'est calmé il a dit à ses compagnons votre maman Aïcha est jalouse
il ne veut pas qu'on intervienne quand il s'agit de ses invités. Il a ramassé ce qui peut être ramassé, et après il a demandé à Aïcha qu'il prépare le plat, ils ont mangé. Après que les invités sont sortis, Nabi Sosam il a dit quand même à Aïcha, tu dois rembourser le plat que tu as cassé à celle qui a répondu. Et point là, ça ne restait pas ici. Imaginez, Hana, recette Tabri. Qu'est-ce qui va se passer? Il va casser toute la maison et la maison de la belle famille, et les voisins ils vont intervenir, peut-être même les pompiers. Même les pompiers vont intervenir parce qu'il a cassé le plat. C'est ça notre problème, Ahbab al-Karam. Comment vous voulez qu'on puisse avoir des jeunes hommes qui ont grandi dans l'adoration de Dieu s'ils voient le conflit à la maison jour et nuit? S'ils entendent que les insultes à la maison, s'il n'y a pas de respect entre le papa et la maman, comment vous voulez que nos enfants puissent vivre dans une vie de douceur, d'amour, de climat? Vous savez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam mat à la hijri ummuna Aïcha wa riquhu qad ikhtalata bi riqha. Nabi Sosam, il a quitté Soba, ce bas monde. Quand il était dans l'état d'agonie, il était sa propre tête sur le genou de Ummuna Aïcha. Et c'est elle qui a préparé le siwak et sa salive. Il est mélangé avec la salive du prophète, il lui a fait siwak. Et le prophète, il part chez son seigneur sur les genoux de sa propre épouse, Al-Habab Karam. C'est ça la voie du prophète à ceux qui veulent que leurs enfants suivent la voie du prophète. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tardha. Inna ma tukara wa taba. Wa tin husna taqwa wa zakat khair wa zakat. Anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka an taj'al lana azwajan salihat. Allahumma zuq lana dhurriyatan salihatan ta'buduka ila yawm ad-din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna rabbana lil muttaqina imama. Allahumma aslih awladana wa aslih dhurriyyatina wa aslihna li azwajina wa aslih azwajana lana wajma'na 'ala ta'atika wa ridwani wa la taj'al lish-shaytani ولا لأنفسنا من بينه وبينهم حظا ولا نصيبا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت ربنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وارفع بحقك راية الإسلام في كل مكان إنك نعم المولى ونعم النصير رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فأنت العز والأكرم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله